The lady came through for prayer, high fever and body pains. As you see that the pastor is ministering prayer in the power of the Holy Spirit. Le pasteur continue de prier et délivrer les gens par la puissance du Saint-Esprit. No one has come to the Lord Jesus Christ and went back disappointed. What you're seeing there is the pastor offering prayer to the family. Some came with different needs. La manifestation continue. Les esprits méchants sont en train de manifester pendant que le pasteur est en train d'offrir la prière contre l'esprit de Régé pour une dame aussi qui veut d'une protection divine sur sa vie. Indeed, what you are seeing is the lady manifesting under the power of the Holy Spirit. Whatever that has brought her here, it has been confronted under the power of the Holy Spirit. L'esprit méchant est affronté par la puissance de l'Esprit Saint et vous voyez la manifestation qui en est conséquente. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargé et je vous donnerai du repos. Et voici les esprits qui sont en train de tourmenter les gens qui sont en train d'être chassés par la puissance de l'Esprit Saint. Viewers continue watching. As you can see, the power is being confronted by the Holy Spirit. And we see the manifestation as Jesus Christ continues to set the captive free. Rappelez-vous, téléspectateurs, que de partout où vous nous suivez, par la foi, vous pouvez vous connecter sur ITVN et Dieu vous atteindra à votre niveau de besoin, de partout où vous êtes, car la distance n'est pas une barrière. Indeed, viewers, we were taught today that we need to live a life of purpose and we should not leave things to chance. You see in there, there's a lady who's been prayed for, issue of generational curse, premature death. As the pastor ministers prayer of deliverance and healing, we believe that the Lord Jesus Christ will set her free. Les différentes personnes sont venues avec différents problèmes qui partent de l'esprit de sorcellerie, les malédictions de génération, la mort prématurée, le culte des ancêtres dont les effets sont visibles dans la vie des gens et ils veulent en être sauvés. Vous voyez le pasteur qui administre la prière contre l'esprit de Régé, les rêves démoniaques, la peur, les maux de tête. Et la sœur a besoin d'une guérison ainsi qu'une percée dans sa carrière. The lady has come seeking help from generational curses, premature death, no education. The pastor is offering prayer of deliverance. Continue watching. The gentleman has come through receiving prayer. Problems, demonic dreams, painful joint leg. What you're seeing is the movement of the power of the Holy Spirit ministering healing. Le monsieur que vous voyez sur votre écran reçoit la prière contre les rêves démoniaques et il veut une guérison parce qu'il a des douleurs dans ses joints. Le prophète prie pour une dame dans notre salle des mamans.
suivez pendant que la puissance de l'Esprit Saint est en train d'être administrée sur notre sœur. Viewers, what you are seeing, the servant of God, Prophet Philip Banda, praying for the lady. Distance is not a barrier. Whatever issue and problem you have, do believe that the Lord Jesus Christ can reach you as well. Parallèlement, la ligne de prière continue et les esprits méchants sont en train d'être chassés de la vie des gens par la puissante prière de nos pasteurs que vous voyez sur votre écran. La dame est en train de recevoir une prière contre l'esprit de Marie de nuit. Elle a des bébés spirituels et elle veut être délivrée du manque de pardon, de la colère ainsi que des puissances sexuelles. Dear viewers, what you are seeing on screen is a lady receiving prayer, and you can see there's confrontation by the Holy Spirit. She came through with an issue of a night husband, spiritual babies, unforgiveness, anger, and eating in dreams. Watch as the pastor ministers prayer of healing and deliverance. Téléspectateurs, ceci aussi est un moment de réflexion et d'introspection personnelle. Et voyez dans votre vie, peut-être que certaines des raisons pour lesquelles nos frères et sœurs sont venus à la ligne de prière peuvent être aussi quelque chose auquel vous pouvez vous identifier. Comme notre sœur qui demande la prière ou la délivrance de l'esprit de l'immoralité sexuelle. Est-ce que dans votre vie, cela aussi peut être une réalité? Et Dieu est capable de vous en délivrer. The Lord has come to set the captive free. What you are seeing there is the moving of the Holy Spirit. L'homme de Dieu nous a appris qu'il y a des esprits tels que des femmes et des maris de nuit qui combattent notre vie au quotidien. Sans savoir, parfois nous sommes victimes des esprits et cela se transfère dans notre monde réel. Alors faites aussi une introspection de votre vie et voyez quels sont les problèmes que vous manifestez au régulier et éventuellement chercher de l'aide. Continue watching, dear viewers. We are seeing the ministration of the Holy Spirit. Men and women receiving help for whatever issues that has brought them to the house of the Lord today. Notre sœur qui manifeste sous l'onction de l'Esprit Saint est venue pour la délivrance de l'esprit de la sorcellerie, la limitation dans sa carrière, le manque de pardon, l'oubli, la convoitise sexuelle ainsi que des rêves démoniaques. Et parallèlement, l'homme de Dieu aussi est en train d'administrer la prière aux membres de notre Église qui sont dans l'overflow. As the prayer line service continues, we see a lady in the prayer line service came through for prayer for chest pains and cough that has been going on for a bit. We've seen the pastor offering prayer. In the same token, we are seeing in the overflow the servant of the Lord, Prophet Philip Banda, ministering prayer. Indeed, the Lord has come to set the captive free. Sur vos écrans, vous voyez les pasteurs qui continuent d'offrir la prière de délivrance sur nos frères et sœurs qui sont enregistrés pour la ligne de prière. Et parallèlement, l'homme de Dieu aussi qui est en train d'administrer la prière aux membres dans le rez-de-chaussée. The prayer line continues, dear viewers. The lady came through for prayer, issues with rejection, painful knees, and she has been feeling a strange movement in the body. The pastor is offering prayer of healing, prayer of deliverance. La dame reçoit délivrance de l'esprit de Régé et aussi elle a des douleurs dans son corps. Et aussi elle entend des voix ou des voix étranges.
Watch as the pastor continues offering prayer. She has believed that the Lord Jesus Christ can set her free. And we do believe that the Lord will indeed set her free. Téléspectateurs, quels sont les effets du monde des ténèbres sur votre vie? L'homme de Dieu nous enseigne et il a demandé, êtes-vous en train de vivre une vie inutile? Est-ce que vous grandissez et vous devenez de plus en plus inutile ou utile? Faites une introspection dans votre vie et éventuellement avec de l'aide, cherchez à voir quels sont les domaines de votre vie pour lesquels vous avez besoin de délivrance, comme c'en était le cas avec nos frères et sœurs que vous voyez sur vos écrans qui sont venus s'enregistrer à la ligne de prière. Dear viewers, continue watching as the prayer line continues. What you are seeing here is the pastor offering prayer. The lady has come through with an issue of kidney problems, fibroids and anemia. And we can see the powerful ministration of the Holy Spirit as she goes down. La puissance de l'Esprit Saint vient de mettre notre sœur à terre qui est venue chercher la prière parce qu'elle a un problème de rein, elle a l'anémie ainsi que The Lord said, come unto me, all you who are weak and heavy laden, and I will give you rest. Continue watching as the gentleman has come through with issues of generational curse, witchcraft, ancestral worship, and a night wife. The pastor is offering prayer of deliverance. Notre frère est venu pour la prière, cherchant délivrance de l'esprit de la masturbation, de la convoitise sexuelle, le culte des ancêtres, femme de nuit, ainsi que l'addiction à l'alcool. The prayer line continues, dear viewers. We see a lady who has come through seeking solution. She has come through generational curses, problem with no marriage, spirit of death, experiencing demonic attacks, and night husband and sleeplessness. We see the pastor offering prayer. The Lord has come to set the captive free. Notre sœur reçoit la prière et vous voyez la manifestation sous la puissance de l'Esprit Saint. Elle veut être délivrée des malédictions de génération, le manque de mariage, l'esprit de mort, les attaques démoniaques. Elle a aussi un problème de mari de nuit. Continue watching, viewers. See the power of the Holy Spirit. Whatever, we believe that whatever issue that has brought this lady to the prayer line, they will bow to the name of Jesus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et voyez comment l'esprit mauvais est en train de réagir à l'onction qui est administrée par notre pasteur sous l'impulsion du Saint-Esprit. Continue watching, dear viewers. You see the continuous manifestation as the power of the Holy Spirit has confronted. The lady has come through with issues of itching body and strange movement in the head. The power has been confronted under the Holy Spirit. La puissance de l'Esprit de Dieu en train de se manifester dans la vie de notre sœur qui réagit à la prière offerte par le pasteur. La Bible nous dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Et suivez sur votre écran la réaction de Notre-Dame après la réception de la prière.
The prophet teaches us that we all need help. We just don't know how much help we need. What you are seeing there is manifestation of things that have been binding us in our lives. Continue watching the manifestation as the pastor ministers under the power of the Holy Spirit. Le prophète nous enseigne que nous avons tous besoin d'aide. Nous ne savons pas seulement dans quelle mesure nous avons besoin de l'aide. Ce que vous voyez là est une manifestation de ce qui est caché à l'œil nu.